Oh, salut les amis. Je ne savais pas que vous étiez là. Notre bateau est toujours en panne. La bonne nouvelle, nous avons trouvé la fuite du bateau. La mauvaise nouvelle, le père rêveur est en train de la réparer et ça fait un bruit épouvantable. Entre nous, ce n'est pas un très bon bricoleur. Que disiez-vous, Saint-Nicolas ? Je disais que tu étais un excellent bricoleur, père rêveur. Le meilleur des meilleurs. Dans ce cas, j'imagine que tu as pu réparer la fuite du bateau des rêves. Absolument. Petite réparation ou gros travaux, c'est le père rêveur qu'il vous faut. Oh, très bien. C'est une excellente nouvelle. Ah oui. J'ai réparé le bateau avec du super ruban adhésif et je me suis accidentellement collé les mains ensemble. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, Saint-Nicolas, le bateau peut de nouveau naviguer. Nous pouvons poursuivre notre recherche des paquets cadeaux. Ça, on réglera ça plus tard. Continuons notre recherche de cadeaux. Le prochain cadeau est celui de Maurice. Il adore les animaux, c'est normal. Il vit dans une ferme avec 2 chats, 5 poules, une chèvre et un âne. Et il aimerait avoir un nouveau petit animal à 4 pattes. Eh bien, c'est parfait. Allons-y pour la chanson de Maurice, l'ami des animaux. En avant la musique et vous, chantez avec nous. Oui. Tout là-bas, revoilà le bateau. Recherchant tous les présents qu'il vend ou qu'il neige, il faudra pour guider ce petit navire nous convier en chanson ce qui vous ferait plaisir. Pour Maurice, quel cadeau comblera son cœur? Trouver sur les flots ce qui ferait son bonheur. Un chiot mignon, plus vrai que nature, pour vivre à ses côtés de folles aventures. Saint-Nicolas, il y a comme un petit problème. Je peux pas naviguer comme ça. Oh, je le ferai à ta place, ça tombe bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais vous savez naviguer avec le bateau des rêves? Bon, c'est pas compliqué, non? Il suffit de diriger le navire en tournant à gauche ou à droite. Oui, enfin, c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, pardon, mais dans un bateau, on dit pas à gauche ou à droite, on dit bâbord ou tribord. Et puis, il faut faire attention à la girouette. Ne t'inquiète pas, le grand Saint-Nicolas connaît la mer des rêves comme sa poche. Ok, si vous le dites. Regardez, Saint-Nicolas, je suis de nouveau libre. Je peux reprendre la barre. Oh, ne t'inquiète pas, père rêveur. J'ai la situation sous contrôle. Mais, où sommes-nous? Ces nuages des rêves me paraissent bizarres. Nous sommes exactement là où nous devons être. Prends ton attrape-rêve et commence à pêcher. Un rasoir électrique, une bougie parfumée et un bon cadeau. Oh, ça tombe bien, je dois justement me rafraîchir la barbe. Ça sent bon la fraise. Un bon pour un week-end à Paris? Ah oui, pourquoi pas? Ce sont pas du tout des cadeaux pour Maurice. Saint-Nicolas, ce sont des cadeaux pour les adultes. Je crois que nous naviguons dans la mer des rêves des adultes. Je crains fort que tu aies raison, père rêveur. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Non, j'ai une idée. Dis-moi un petit peu, que ne font jamais les adultes? Se curer le nez. Oui. Ils mettent leurs vêtements à l'envers. Bien. Oh, faire des grimaces! Exactement! Si nous faisons des grimaces, le nuage des rêves des adultes risque fort de disparaître. Comme ça? Oui! Les enfants, faites des grimaces! Continuez! Et on va voir si ça marche. Ça marche! Le nuage de rêve des adultes a complètement disparu! Père rêveur, ton attrape-rêve! Quel adorable chiot! Oh, il est tout doux! Oh, il est aussi doux qu'un vrai chiot! Jusqu'au 6 décembre, nous devrons nous en occuper. Comment devrions-nous l'appeler? Que pensez-vous de Patches? Oh, Patches a faim. Oh, viens dans les bras de Père Rêveur. Oh, voilà.
Je pense que Patches préfère être avec Saint-Nicolas, Père Rêveur. Pas du tout. Il est très bien dans les bras de Père Rêveur. Je crois que Patches a sommeil. Ah oui, vous avez peut-être raison. Oh, regardez, sa cage. On peut en faire un lit douillet. Regardez, il s'est endormi. Chut. En tout cas, merci les enfants. Sans vous, nous n'y serions jamais arrivés. Voulez-vous nous aider à chercher le prochain cadeau? Ah oui, et merci les amis. Chut.